Je m'appelle Amélie Guillaume, je suis acheteuse stratégique chez Invecker sur ce poste depuis 7 mois. Je suis chez Invecker depuis 2 ans maintenant. J'ai commencé en tant qu'approvisionneur grand apport. En tout premier lieu, je dirais l'écoute parce qu'on est le point d'entrée de la relation fournisseur et également le point de centrale de collecte d'informations émanant de la production, ce qui nous permet de pouvoir comprendre le réel besoin que nous avons en production et de restituer avec exactitude ces informations-là auprès de notre fournisseur. La deuxième qualité pour moi, c'est l'adaptabilité. On a tous dans notre travail des aléas. Que ce soit des aléas de transport, de qualité de pièces, de changement de cahier des charges, de hausse des coûts d'énergie, l'inflation. Et on a ces événements qui arrivent de manière inopinée. Il faut pouvoir s'adapter à ces éléments-là et essayer de trouver un bon compromis, que ce soit avec le client en interne, la production, ou que ce soit avec nos fournisseurs. La troisième qualité, pour moi, c'est la curiosité. C'est ce qui permet d'arriver à déceler des opportunités, nous donner des idées, des axes, de nouveaux axes d'intérêt, d'être parfois même plus réactif quand on est confronté à une problématique. J'ai toujours pour habitude de dire qu'il ne faut pas négliger le pouvoir de la petite graine, c'est-à-dire cette idée qu'on a rangée par là dans notre cerveau et qui revient au fur et à mesure quand on est confronté à une nouvelle problématique. On y pense automatiquement et ça nous donne vraiment une impulsion dans une nouvelle idée ou une opportunité. Ce qui me plaît le plus dans mon travail, c'est de m'enrichir au contact de tous les services en interne, faire de belles rencontres professionnelles, développer des relations commerciales avec les fournisseurs et apprendre de nos partenaires, que ce soit au niveau industriel ou au niveau culturel. Ma devise dans la vie, c'est là où une porte se ferme, une autre automatiquement s'ouvre. Quand ton chemin est bouché, il y a forcément à côté une autre porte qui s'ouvre et une solution à trouver. Qu'est-ce que j'ai jamais osé dire à mon boss ? Yael, on t'autorise le Friday Wear.